se passe entre Kibumba et Kanyaruchinya, passant par Kanyamaoro, en territoire des Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu, c'est en République démocratique du Congo. Dans les groupements Kibati, par exemple, vous pouvez avoir de la chair, des poules, des maisons abandonnées par les habitants et enfouies, des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les mouvements du 23 mars soutenus par le voisin de la RDC. Les déplacés se trouvent sur le long de la route. Ils passeront peut-être nuit à la Belle Étoile, au niveau de Kanyaruchinya, dans le territoire précité. Ce 27 mai 2022, le personnel civil du gouvernorat du Nord Kivu ont posé un geste caritatif, marque de soutien à l'armée loyaliste. Des contributions à l'interne, ils ont acheté des vivres et de l'eau qu'ils ont acheminés auprès des militaires engagés à la ligne de combat. Modestement, Priska Luanda, experte au cabinet du conseil principal du gouverneur militaire du Nord Kivu, a remis aux bénéficiaires cette donation. Vous donnez le moral, vous remontez. Nous sommes les agents du gouvernement provincial et nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas rester les bras croisés sans pour autant venir vous amener de l'eau à boire, parce qu'on dit qu'on reconnaît un vrai ami dans les malheurs, dans la souffrance. Mieux que merci, le mot n'existe pas. Le colonel héritier, commandant du régiment, ne se fait pas prier. Il est reconnaissant. Merci. Si à la surface, l'on peut approcher des militaires engagés, en profondeur, le combat continue entre les forces loyalistes et la rébellion. Entre-temps, les civils, eux, continuent de soutenir leur armée de diverses manières. Dans des zones. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs à cet entretien que nous réalisons en direct. Nous poursuivons en tout cas avec nos interviews en direct de Goma pour vous faire parvenir les actualités en temps réel, tout ce qui se passe dans les Rutshuru, Nyiragongo. Et ce matin nous recevons ses réponses. Il est l'aide des combattants et militants de l'IDPS, parti présidentiel, parti au pouvoir. Messieurs, bonjour et bonne arrivée. Oui, bonjour, merci messieurs les journalistes. Vous êtes au pouvoir, l'IDPS, quelles sont les dernières informations que vous avez par rapport à tout ce qui se passe dans les Rutshuru et à Nyiragongo? Exactement, nous sommes au pouvoir, le pouvoir émane aussi du peuple. Je suis trop énervé de ce qui se passe dans mon secteur, dans notre province. Les dernières informations que nous avons, ce n'est qu'un message, l'appel, aussi la grande décision qu'il a pris le gouvernement congolais de suspendre les vols de Rwanda Air en République démocratique du Congo, mais aussi ils ont interpellé l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. Bientôt là, il va répondre à nous. Comment vous avez accueilli ces mesures? On a accueilli ça parce qu'on a appris que M23 qui agresse l'intégrité du territoire national est soutenu par le gouvernement rwandais, donc par les Rwandais. Et vous, au niveau provincial, comment vous organisez pour soutenir les mesures du gouvernement central ainsi que notre armée, la FARDC? Oui, nous sommes en train de sensibiliser les peuples de Trini, tous derrière nos FARDC. C'est un peu ça. Je suis très content avec l'unité, la solidarité du peuple congolais, des Gomatraciens en particulier, du Nord Kivu aussi en particulier, je m'excuse. Ils sont unis. Aujourd'hui, il n'y a pas les tendances politiques, nous sommes peu perdus, non. Nous tous, nous sommes les Congolais. Nous avons que le seul. Et notre espoir, c'est la RDC. Nous sommes unis et nous sommes en train d'accompagner nos FARDC avec les vivres et les non-vivres aux lignes de front. Aujourd'hui, on nous parle en tout cas des militaires, encore une fois, des pistes arrêtées dans les Rutshuru. Et d'ailleurs, c'est la population qui a réussi à maîtriser ces militaires rwandais vêtus en tenue militaire, de tenue rwandaise, donc de l'armée rwandaise, et ils ont même des identités rwandaises. Comment vous analysez cela? Voilà pourquoi je vous disais que je suis vraiment trop énervé.
Si Kagame pense que tel qu'il avait envahi le Rwanda, c'est tel qu'il va envahir le Congo, il se trompe. Les Nilotiques, c'est un peuple apatride en Afrique, Mais je vous rassure qu'on leur a attrapé. Il y a même un officier supérieur du Rwanda qu'on a capturé. Nos FARDC l'ont capturé. Nous, on ne fait qu'encourager nos voyages militaires et nous mettons en garde cette fois-ci Paul Kagame et son peuple. Dans les jours qui viennent, il y aura de grandes décisions, comme on a déjà commencé avec de grandes décisions. J'ai seulement pitié au Rwanda. Quelles sont ces décisions? Il y a les grandes décisions, comme je venais de souligner là-dessus, l'air avion est suspendu. Donc il n'y a plus de relations commerciales entre nous et le Rwanda. Moi, j'ai prié au chef de l'État de fermer même toutes les barrières entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est très important. Je vois comment les jeunes se mobilisent et qui disent en tout cas qu'ils attendent que l'ego pour qu'ils se rendent eux-mêmes à Kigali pour aller capturer le président rwandais. C'est quoi votre point de vue? Au fait, c'est un soulèvement populaire. C'est la population. Dans mon introduction, je dis que le pouvoir émane du peuple. C'est le peuple qui a donné le pouvoir à Félix Tshisekedi. Si aujourd'hui, nous les Congolais, on se mobilise pour aller chasser Kagame, c'est normal. On va lui chasser. C'est le peuple qui décide. C'est un peu ça le message que j'ai. Et je ne peux pas encourager au peuple congolais de faire un pas en arrière. Nous allons de l'avant et nous allons arriver à Kigali. Si et seulement si le peuple prend cette bonne décision, parce que c'est une bonne décision, je suis du côté du peuple. D'accord. Parle-nous ce matin. Bino Bozaba, tu as eu des PS, parti présidentiel, parti au pouvoir. C'est vrai, on sait qu'on est dans une situation où on ne va pas parler IDPS, CINC, la MUCA, je ne sais pas, PPRD, FCC. Tous les Congolais doivent être unis. Mais au-delà de ça, Bino Batua IDPS, situation, information nini, Mozana, actuellement, information gagne. Actuellement, toujours vivre vraiment et Sengoma Kasi. Comment on a dit FARDC, ils ont bêta Barwandé, ils ont bêta M23, ils ont été lobby, merci pas à FARDC. Tout ça, c'est que le peuple congolais ne s'est pas allé aux Alliés. Ils ont été dans la diaspora, ils ont été dans Kinshasa, ils ont été dans le Congo. Tout ça, appui na biso et pas à FARDC na biso. Tout ça, c'est na te. Na kati ya FARDC ezana batu bauta na M23 maele ya M23 banango tokobosa na eloko wana te yango tozoyebisa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi zala oyo ezoleka kotoyo ekozala electoral na yo en 2023 oleki mbala moko ekozala susu pe échec na yo tia ba stratégie oyo vraiment peuple ndenge tozo se mobiliser sima ya FARDC. Appuyer Bissot, mobiliser les voies et moyens pour soutenir les FARDC financièrement, moralement, mais qu'au sanate que na quatre armées na Bissot, ils en a battu Bauta, Bakotisa Bango, Bauta na M23. Wana tozocha ma point d'interrogation wana. Yango, au moins peuple Bissot nyoso toi mobiliser pour toi pesa appuyer na Bissot et pas ya FARDC. Mutoyo. Mutoyo na kati ya FARDC. Tokoye bage yende azo trahir pays. Je vous dis, messieurs les journalistes, biso peuple to sengaye. Mais les gens vont comprendre, mon lingala n'est pas fort. Mais nous savons que Goma, les gens se mobilisent, mais autour de leur armée, nous avons aussi la diaspora qui nos frères, nos papas, nos mamans qui sont à l'étranger, dans la diaspora. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, surtout à ces frères qui sont dans la diaspora, par rapport à tout ce qui s'est passé ici? Merci beaucoup. Avec un message de félicitations, je demanderai à tous les amis de la diaspora, je sais, lorsqu'il y avait l'éruption volcanique, vous avez envoyé quelques vivres et non-vivres.
appuyer aussi nos vaillants militaires des FARDC avec l'épée que vous avez. Vous avez les, votre mille fois. Vous avez Ozana Mwanani Tchopayamai, Pesango, Tosunga FARDC Nabiso, Po Elonga Bitumbao, Congo Nabiso, Ekende Liboso, Naebiki, Ata Oza Kuna na France, Ozana États-Unis, Boka Kaka Nabiso, Izaka Moko, Congo Yangoyo. Alors, Togomona Ngo, na période ya bitumba de tokomona solidarité na unité na bino de torondi makaka toza kuyebisa bino bo accompagner FARDC na biso non seulement avec moralement mais oyo bozana ngo oyo azana muke ya kopesa apesa ngo vraiment to sepela ngo biso peuple ceux qui to moni ngo bozo soutenir FARDC to sepela ngo. Alors parlez-nous parce qu'en tout cas les voix s'élèvent de partout pour condamner cette agression du Rwanda sur les sols congolais. Et c'est quoi votre position? On ne fait que condamner aussi parce que c'est l'intégrité du territoire qui est touchée. On condamne cette histoire. J'appelle à tous les peuples congolais, Nazaro Benga Binonyoso Banso, tous à la bas patriotes, tous soutenir FARDC. Donc l'idée na biso na ko ko rassurer bino ke ceux qui to komi ni to beta Rwanda kaka to beta bango bana makokite to za kende Rwanda ko sala ni Rwanda za pays à part la RDC yo mo outi ko ebisanga ke peuple za déterminé pour kende kuna to kende kuna eza soulèvement populaire biso to ko banga bango te. Et d'ailleurs, nazo interpellé nos gouvernements congolais. Bara patrie ambassadeur na bango oyazana Kinshasa oyabiso azonga. Kutu tozo préparer biloko mosusu. C'est lundi ici. Ezana marche ezo se préparer société civile. Peuple congolais nyoso tozala na barabara tozo soutenir FARDC. Tozo soutenir mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Yango na lobby au congolais nyoso. Bokozala na mot d'ordre biso ba to agoma to na état de siège bo comprendre biso me ba nyoso bwana ba province mosusu tozala biso nyoso na barabara to omona mobilisation na bino to omona sens patriotique na bino yango to lobi tozala butu moko tozala ini tozala na tata moko tozala na mokonzi ya mboka moko tozala kaka mutu moko de to olonga bitumba oyo. Osana kose nini ya kopesa président rwandais yo en tant que congolais ngana ngozo mona situation ezo évoluer na ebi ke aza ennemi na biso a se préparer kak toza état très bien déterminé toza préparé ye pe a se préparer oyo kaka ye alukaki a kozwango dena ebisie azana ka démission azana na PCN dingisa a démissionné a déposé lettre ya démission na e dans 48 heures ce qui a sali bongote a tie musapina moto biso peto wala kisaye ke toi ba vrai congolais de père et de mère to wala kisaye ke biso to kola na bitumba to aussi lisaye Azo sakana na moto ayebite ke lobby arozala meilleur perdant na ebisie eza condition ka moko to pesie apesa démission na e dans 48 heures faute de quoi aromona moto to préparer ya ko sakana te mais yo mutwai de pese mais oyebike président Tshisekedi Kagame baza ba ami ba frère ba partenaire mais olingo pesa Kagame ultimatum ou mise en garde pona nini yango na lobby ba koza la ba ami etalinga ite etaliko ba congolais te mais pona intérêt ya Congo ah te bon ami na bango vraiment biso to équipe angote tozo équipe angote toza kuna te etali biso te yango na ebisio soki ka baba ami na ebite soki ka baba ami
naebi ke fati aza amina ete na linga kina lobama eloko moko na me na zo se réservé fati aza fils de maison ayebi situation biso ba bato est de to traverser na o se réservé me ce qui baba ami naebite kutu naeba naebi ke na relation internationale zaka na ba relation entre états tokoza la na relation entre biso état congolais na état rwandais et kozala wana na lobi ninge to si to interpeller ambassadeur na bango tozo kende tozo senga pe fati to to rapatrier to rompre relation ya biso na biso ba Congo biso Congo na Rwanda mais kibo soki baba ndeko soki baba ami etali biso te eza biloko na bango bakosala ngo hor le temps ere bako silisa kuna baye kosola makambo ya mboka biso nde ba mokolo mboka Congo eza ya fachite eza biso ba Congolais nyoso soki bo ba mi bino na kagame etali biso te yango na lobi nazo se réservé wana kutu na yebite soki baba ami sino na lingaki na loba mwa eloko moko kutu biso bato ya est tozo souffrir mingi pona ko Rwanda oyo pona kagame biloko kagame azo salela biso eza biete vraiment. Selo yo Kagame alingi nini concrètement? Eloko pesa pa pesa nini na Congo? Eloko te alingi eloko te. Alingi asilisa. Bazo boma batu. Ye alingi to pesa e mabele. Mabele na biso eza ya bakoko. Oh nyoso to sali. Bomona ki azaki na chef de l'état basali ba contrat na bango ba robanda osala suki raffinerie ya minerai bozala ki awa to pesi. To pesiye ningisa vol nae banda okota rotoy. Moni, bato nae bazo tambusa bato mat porte par porte. Alors que awa kaka na gom. Alors que soki otangi na article 36 ya constitution na biso elobi ke biso ba Congolais ndoko tokoki ko exercer ba petit commerce. To pesiye ningisa aleli alobi te shengai bo pesa nga ningisa bato nanga ba banda osala petit commerce na Congo. To pesiye biloko nyoso to kokaki kosala yango na ebisaki yo azoluka eloko te mabele oyo akozwata emetre te ndenge aboyi biloko nyonso to pesiye shwa eza te biso tobeta probleme nga nazomona nayebi te soki nakoloba ngo devant place publique partenariat na biso international États-Unis vraiment na mon ango clarté eza na mwa mobulu eza wana na zo regretter mais na kolo bango awa te mais na o se réserver kaka mais vraiment il faut États-Unis et ça la paix ango vraiment na zo se réserver parce que na o se réserver mingi. OK to yo ki ma déclaration à moi na o ya Museveni fils yo Muhoozi azo montré probablement mariage Rwanda Uganda et alobi ba koya ko frapper na RDC yo analyse na yo ezani te aza mwana ndenge oyoti koloba aza mwana aza général nde et d'ailleurs a ko remplacer père nae et d'ailleurs aza général au armée ougandaise kozala général elingi koloba te ke okomi homme d'état soki ezala ki Museveni nde alobi mbele to linga ki to répondre mais aza mwana na politique to équipe yango te toko publicité ye akoma eloko moko ya malonga c'est dit n'importe quoi aza eloko te vraiment aza mwana muke ayebi ba relation entre ba état te aza nano mwana toko tangisa ye akende toko yebisa Museveni atinda ye na kelasi akende otanga soki alingi akoma politicien d'ailleurs militaire à quoi le babilo quoi politique était yango na ebisio aza mwana muke aebi politique était avant dananda ko mama na e alambela en sakamadeso alia afanda ikimya na pale aza mwana. D'accord, pour finir message de soutien à nos forces militaires FRDC, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à cette armée là qui ne cesse de défendre le pays et les Congolais en général? J'ai fait appel à tous nos vaillants militaires, vraiment, Tomoni, Bao trahir et n'y a pas traité Bango et Zaïlo Kotolobi. Merci beaucoup. Bao trahir et Sousou.
va subir les mêmes conséquences. Bon, moni ndenge biso peuple, toza simana bino, na yebi ke tokolonga Congo vraiment biso kaka soki o engagé bitumba na Congo soit na ba congolais, ozo défend, ozo préméditer défaillance échec na yo. Yango na lobby FRDC bana mboka bo bangate.